right now, and what you lose in Rudy Gay scoring, I think Tayshaun Prince and Tony Allen can take away from opponents with their defense. So the style they play again, it kind of fits in as we get some work here from Mikal Petras. But I do think that they have a chance to be successful without Rudy Gay. But okay, let's move on. The Denver Nuggets, 24-3 at home. They're tied with Miami Heat in terms of home wins and home losses. But the Spurs, excuse me. Aujourd'hui, on va parler de Mikal Petras, d'Air France, l'un des pionniers du basket français en NBA. Il est né aux Abîmes, en Guadeloupe, le 7 février 1982. Hey, this is Mikal Petras. I was born in an island called Guadeloupe. Il y vit jusqu'à ses 15 ans, avant de rejoindre son frère Florent, de 2 ans son aîné, à Port-Orthez, l'un des plus gros clubs du basket français de l'époque. Il intègre le groupe pro lors de la saison 1999-2000, où il participera à 6 matchs. À l'été 2000, il rejoindra son futur coéquipier en club Boris Dio pour le championnat d'Europe junior à Zadar en Croatie. Tournoi passé depuis à la postérité avec une victoire sur le fil en finale contre les Croates. Chez eux, dans une ambiance plus qu'hostile avec un Tony Parker bloqué sur le banc pour 5 fautes. On va dire que c'était une finale rêvée parce que tout le monde annonçait France-Croatie. Et donc on arrive à France-Croatie. Chez eux, dans une salle pleine à craquer. La capacité maximale de la salle n'a pas été respectée. Il y a la petite pancarte qui est à l'entrée là, qui donne un chiffre. Je pense que ça leur a pas posé de problème. Il y avait 4000 personnes ou 5000, je sais pas combien. Les portails étaient ouverts, il y en avait pendus aux étagères. Enfin, il y en avait partout. C'était vraiment un chaudron, c'est une petite salle, le public est très près. Il y a des petites rambardes de sécurité parce qu'il t'envoie des pièces, des piles. Il balance des briquets qui sont encore chauds. Les joueurs noirs de l'équipe de France sont accueillis par des cris de singe. Les jeunes regardent, ils font des cris de macaque. Je me dis, mais on est où là? Qu'est-ce qui se passe? On a un type qui faisait tourner une manivelle. L'ambiance, elle était incroyable, surtout à ce niveau-là, quoi, parce qu'on est en junior quand même. J'ai peur pour ma vie. J'ai peur pour la vie de mon père et ma mère dans les tribunes. Le public criait tellement fort que ça faisait mal physiquement, au tympan. Les décibels étaient trop hauts. La Milic, à 3 points, il est croate, il gagne. C'était l'ambiance la plus chaude dans laquelle j'avais joué jusque-là. Et je dirais même depuis. La cheville droite, hein, Olivier. J'aimerais oui, c'est ça. Comment il est, Yango, là? J'aimerais bien le voir, là. Mais le réalisateur ne nous dit rien. Est-ce qu'il est sorti? Non, il est toujours là. Il est tout. Oh, il boite, mais bon, il reste. Attention. Il reste trop peu de temps pour ne pas s'en occuper. Et ça a défendu, hein, du côté des Français. Oh là 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 là. Il demande à est-ce que le ballon soit essuyé. Alors Pierre Vincent, il est tendu, mais il est. Regardez pas... comme ils essuient la balle. Ouais, ah, ouais. Ça doit être terrible. Ouais. Terrible, regardez ça, ils ont des. On dirait des nounous. Non mais on m'a toujours dit qu'il fallait nettoyer les pommes. Hein. On va dire là, il y a une grosse orange. Oh qu'elle est chaude cette balle. Là, je crois que Guillaume Yango est obligé de sortir. Hein. Ils vont sortir Yango. Bah oui, puis faire rentrer Ronny Turiaf, je pense. Ah, attention. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah, très, très, très bonne prémonition. Ben, c'est le moment. D'Olivier Vera, coach Vera. Et pendant ce temps-là, eh ben, notre ami Popovic, il met le premier lancé. Et plus si affinité, on va voir. Et il met le deuxième. Et on se retrouve. Combien il reste à jouer? Ça y est! Ah, c'est extraordinaire! C'est extraordinaire! Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont laissé Ronny Turiaf! Mais ils l'ont oublié! Ils l'ont laissé! Mais attention là! C'est fini! Est-ce que c'est fini, Olivier? Il reste 2 secondes! 2 secondes! Il reste 2 secondes! Les Français mènent 65-64. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à la remise en jeu, Boris Dio a servi Frappro qui a aperçu
Rony Kuryav comme un voleur de pommes, et Rony a marqué un panier magnifique. C'est peut-être un panier qui, c'est peut-être le panier qui vaut le plus cher de la décennie des juniors. Ouais. C'est un panier qui va peut-être écrire l'histoire. Mais pour ça, il faut que les Croates échouent, et ils échouent, et c'est la victoire. C'était deux dixièmes. C'était deux petits dixièmes. Deux dixièmes de seconde, c'est extraordinaire. Regardez les Français. Regardez-les, ils n'y croient pas, ouais. Ils y croient. Et bien voilà comment on se fait des amis pour la vie. Parce que ça, quand on construit dans un environnement aussi difficile, oh là là, une victoire ensemble, ce sont des souvenirs extraordinaires pour toute votre carrière. Là là là. Regardez Popovic. Des victoires en junior, parfois, c'est plus beau que tout. Regardez Popovic. Ouais. Regardez cette déception. Ah ouais. Il est secoué de sanglots. Et pendant ce temps-là, les Français sont en transe. C'est-à-dire que là, c'est la folie. Tout s'est joué en pratiquement moins de 3 secondes. Ah, il en peut plus. Il en peut plus, Popovic. Ah. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, la salle est frappée de stupeur. Oui. Les Français sont par terre. Les Français s'embrassent. Les Français s'étreignent. On est épuisé. Il est minuit. C'est absolument incroyable. Et on se quitte sur cet événement extraordinaire. Les Français, champions d'Europe, et Foodjoie, on l'est aussi. Super, et merci beaucoup. C'était un plaisir de commenter ce match. Quelle victoire pour la France. La France coachée par Pierre Vincent est donc médaille d'or. Michael aura donc été l'ailier titulaire de cette équipe incroyable, comptant 5 futurs joueurs NBA dans ses rangs. Rony Kuryav, Yacouba Diawara, Boris Diaw, Michael Pietrus et la légende Tony Parker. Il y a 6 bagues NBA sur cette photo. De retour à Pau à la rentrée 2000, les choses ont bougé du côté de l'Élan Bernay. Le président du club, Pierre Seyant, a annoncé cet été-là qu'il n'avait plus les moyens financiers d'entretenir son club. Il propose donc une solution de transition basée sur le recrutement de jeunes internationaux espoirs qu'ils grefferont à quelques joueurs d'expérience. Lors de la saison 2000-2001, le projet jeune est donc mis en place. Mike jouera 29 matchs de la saison suivante aux côtés de son frère Florent et pour la première année de Boris Diaw. Florent, c'est un jeune joueur venu de Guadeloupe qui recevait la visite de son frère Michael pendant les fêtes de fin d'année. On les a intégrés comme des jeunes frères. Eux étaient pétris de talent physique. Un bagarreur et rebondeur dans l'âme, c'était Florent. Gros défenseur, une habitude à apprendre. Michael avait potentiel, j'irais, offensif supérieur parce qu'il a un excellent bras au niveau du tir avec une âme de killer au niveau de l'adresse. Ils ont voulu s'imposer, donc ça s'est pas passé forcément toujours bien à l'entraînement. Ils ont voulu bousculer les aînés. Flo était concurrent avec moi direct. Je peux dire que je ne l'ai pas raté à l'entraînement, mais ça lui a servi. Je pense que Flo m'a remercié plusieurs fois. Il a appris qu'est-ce qu'il fallait pour devenir un guerrier. Ouais, j'ai des lèvres cassées, des lèvres pétées, des pommettes éclatées. Mais bon, je pense que ça fait partie des jeux à l'ancienne, quoi. S'ils ont fait ça, c'est qu'ils sont passés par là et ils connaissent les exigences du basketteur professionnel. Quoi. Alors, c'est le métier qui rentre. Grave, comme ils disent, c'est le métier qui rentre, une pommette éclatée. Les jeunes étaient tendres, il faut être honnête. Ils avaient du talent, mais les jeunes ont quand même, à un moment donné, ils ont poussé droit parce qu'il y avait un encadrement. Voilà. Des vieux qui avaient de la bouteille, je pense à Didier Gadou, à Roger Steller, Frédéric Fautoux, qui ont été des joueurs... qui ont fait le lien, qui ont créé le ciment de cette équipe-là. Pendant la transition, on s'aperçoit très vite que le mot transition n'est peut-être pas au niveau de notre public, au niveau de notre envie profonde de réussir, quelque chose à accepter. Parce que quand on parle de transition à Pau, ça ne doit pas durer très longtemps. Quoi, hein. C'est comme l'apéro, il faut vite y revenir. Quoi. Tu fais l'apéro, tu vas au repas, mais tu manges vite, tu reviens vite à l'apéro. Quoi. Ben oui, on ne pensait pas que ces jeunes en iraient aussi loin. Quoi. On y a été. Alors, c'était une transition, pas comme les autres. Hein, voilà. Cette saison verra Pau jouer deux finales face à l'ASVEL. La finale de Coupe de France sera perdue largement, mais ils se rattraperont en gagnant le championnat de Pau.
j'allais dire interception de Nwosu. Non, il a. Ben si, finalement, c'est pour Maculot. Et Roger Estellière qui va aller vous donner ça vite fait. La passe dans le dos de Boris Dio. L'ASVEL s'en fout. L'ASVEL remporte la Coupe de France 2001. 99 à 74. Victoire de l'ASVEL face à Pau. Non, l'ASVEL était archi favori. Je crois que là-dessus, on n'avait aucune pression à se mettre dessus. Il devait gagner ce titre, je ne vais pas dire largement, parce qu'on n'était pas arrivé là par hasard. On avait faim de gagner de toute façon. Donc c'est vrai que ce premier match, on les a, je pense, surpris. Ils étaient premiers de la saison régulière, on était outsiders et on les a surpris là-bas. Ensuite, en revenant à la maison, on a été un peu crispés. Et justement, on a eu cette pression, voyant qu'on pouvait gagner le titre. Et c'est eux qui en ont profité. Et je me souviens qu'après ce match-là, ben on s'est tous retrouvés, toute l'équipe, aller manger au restaurant ensemble à Pau. Et on a pris ça très calmement. On s'est tout de suite remis en place. On savait que de toute façon on était outsider, qu'on n'avait rien à perdre, qu'on avait juste à jouer libre. Les applaudissements du public de Villeurbanne. L'année d'après, lors de la saison 2001-2002, l'ASVEL prend sa revanche et remporte le championnat de Pro A contre Pau. Mickaël affichera un stade de 8 points de moyenne par match lors de cette saison. Pau ira se consoler en remportant la Coupe de France. En 2002-2003, c'est l'année de la consécration. Pau Orthez roule littéralement sur le championnat de France en réalisant un triplé championnat, Coupe de France et semaine des As. Mickaël finira la saison à presque 11 points de moyenne et son coéquipier Boris Dio sera élu MVP de Pro. Claude avait laissé une équipe vraiment très forte, avec un fort potentiel, avec des jeunes joueurs qui étaient sur la fin du développement français, puisqu'on apprendra après qu'ils sont partis en NBA. On s'était préparé à ce départ, mais enfin, quand ça arrive, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'ils n'ont que 21 ans et au moment où ils pourraient vraiment rendre le plus grand service au club, ils s'en vont. Ils ont été plutôt très pro dans la gestion de ce moment-là alors qu'ils étaient jeunes. Et d'ailleurs, ça s'est concrétisé parce que je pense que la saison qui a été faite, au niveau des résultats, on peut guère difficilement faire mieux puisque toutes les compétitions dans lesquelles nous étions engagés au niveau national, on a été au bout de chacune de ces compétitions. On dominait, ça arrive de dominer, on était fort partout. Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. On était bon à l'intérieur, on était bon à l'extérieur, on était bon à la main. Quand l'équipe est là, ça gagne. Je ne sais même pas si on a perdu 5 matchs dans toute l'année. Je crois qu'il y a eu 17 ou 18 points de moyenne d'écart entre... Ouais, c'est ça, donc c'était une équipe qui était... C'était la gagne tout le temps, c'était les meilleurs. C'était limite l'équipe de France à Pau, quoi. On arrivait sur le terrain, rien que d'arriver tous sur le terrain, de se présenter, on enlevait quoi, 40% du mental adverse, quoi. On rentre dans les playoffs, effectivement on fait le premier tour contre le Havre 2-0, on fait ensuite encore un 2-0, mais en finale le match 2 est perdu et relativement confortablement gagné par l'ASVEL et il a fallu aller
encore revenir à Pau, quoi. Hein. Les années avant, il avait gagné à l'extérieur, j'avais pas pu partager ça avec le public du Palais des Sports de l'Élan, donc on nous demande de le gagner chez nous. On nous a pas demandé de perdre, on nous a demandé de le gagner chez nous. Et ça fait mal au ventre à certains gamins comme Boris ou d'autres, parce que eux, c'était le soir du draft, de la draft, il me semble, donc ils attendaient pour savoir s'ils partaient ou pas, s'ils pouvaient y aller ou non. Mais Mickaël, je me souviens qu'il pensait à dire « il faut quand même devenir à l'ASVEL, je veux aller à la draft, j'aimerais bien aller à la draft à New York ». Le pauvre, mon père, d'un coup, j'ai resté à Pau et je savais qu'il était déçu. On avait parlé dans la chambre, j'étais le voir dans la chambre avec son frère Florent, et on avait parlé. C'est des choses bon, qu'il n'aura pas vécues. Mais je pense pas que maintenant il le regrette parce que avec la finale qu'on a gagnée après à Pau, je pense que ça a atténué la déception. Et le public palois leur a fait une super ovation. C'est vrai qu'on n'a pas fait la fête. Normalement tu fais la fête une fois que tu es drafté, on n'a pas pu faire la fête tout de suite. On a attendu la finale et on s'est bien rattrapé, on a eu deux raisons de faire la fête. Il ne jouera plus, en tout cas pas dans un paquet d'années, à l'élan Bernet. Et c'est gagné. Le 8e titre de l'histoire de l'élan Bernet. Avant de partir, c'est le meilleur cadeau que je puisse vous offrir. Si aujourd'hui je suis sur le départ, c'est grâce à vous. Parce que je suis arrivé à l'âge de 15 ans. Et grâce à 8000 personnes ce soir, j'ai grandi. Je pars d'ici vendredi prochain. Et à mon retour, je pense vous offrir... avec le numéro 2 écrit mon nom des Golden State Warriors et j'espère que le président il affichera tout en haut, c'est pour ne pas m'oublier. Merci. Voilà la dernière fois qu'un trophée a été présenté à la maison, c'était Didier Gadou en 96. Après 3 ans, et grâce à l'équipe paloise, mon rêve se réalise d'être drafté en NBA. Et pour ça, je dois dire merci. On a eu beaucoup de critiques en début de semaine par rapport à notre draft. Et ce soir, c'est le meilleur cadeau que je puisse offrir à mon public. Et un champion, ça part toujours sur un titre. Et j'espère que je gagnerai d'autres. Mickaël arrive donc au NBA privé de cette draft incroyable. Il sera drafté en 11e position par les Warriors, dans l'une des cuvées de draft les plus légendaires de l'histoire. LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade, Chris Bosh, son coéquipier Boris Diaw sera sélectionné en 21e position par les Hawks d'Atlanta. I am ready. I am ready. I'm ready. Ready to take the next step. Take the next step. Golden State Warriors, one of the turnaround teams in the league, on the clock, and let's check in with the commissioner, their pick at number 11. With the 11th pick in the 2003 NBA draft, the Golden State Warriors select Michael Petrus from France. This may be the second of the international players taken. Jay, tell us about this first international selection by the Warriors in the first round over their history. Well, Michael Petrus is a freak athlete. He's an incredibly explosive player that can really get up and down the floor. He is very strong. He's got a similar game to Desmond Mason. He's just as athletic, but not quite as polished. He's got long arms, and he's really a tough kid. He will guard people with a tough, nasty streak, and he looks to lock you up. Because of his defensive ability, it's the crown on the beat, nigga. Mickaël arrive donc lors de la saison 2003-2004 dans une équipe moribonde de Golden State. Équipe qui, à ce moment-là, n'a pas vu les playoffs depuis 1994. Il sera peu utilisé lors de sa première année, tournant à 5,3 points de moyenne, bloqué sur son poste derrière Jason Richardson et Mike Dunleavy Jr. Il se verra accorder du temps de jeu lors de cette deuxième année, sous la houlette du coach Mike Montgomery. Il tournera entre 2004 et 2006 à presque 10 points et 3 rebonds, dans une équipe des Warriors qui ne voit toujours pas les playoffs, finissant en-delà de la 10e place en saison régulière. Malgré ses blessures, Mickaël se fait une réputation NBA, grâce à sa grosse défense et ses gros tomards dans le trafic, qui lui ouvriront le surnom de Air France.
En 2005, il participera à son dernier tournoi avec l'équipe de France, en allant remporter la médaille de bronze à l'Euro en Serbie. C'est lors de cet Euro que la France se fera crucifier à quelques secondes du buzzer par Diamantidis lors des demi-finales contre la Grèce, alors que la France menait de 4 points à 30 secondes de la fin. Ça marche. Des pieds dribbles là. Martin, je vais en avoir pas l'occasion. Dès qu'il y a un mot, je vais te dire à Martin. Στην Beograd, Karina, μένουν ακόμα 4 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το time out και 30. 8, 31 δηλαδή, που λέει ο λόγος. Για να τελειώσει το μάτς 62-58 προς τα 10, ήταν η παράβαση. Ήταν η παράβαση. Τι είπαν οι διαιτητές μας, ο Βορειάδης και ο Σαπρός. Ότι ήτανε. Μα ήταν φανερό. Πάρκερ, τι θα γίνει τώρα. Προσπάθησε να κλέψει το πόντς, είναι έξω η μπάλα. Χάσανε. Ναι, είναι έξω η μπάλα. 30 λεπτά, είπα. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα, δεν έχει τελειώσει το μάτς. Είμαστε και πάλι όρθιοι. Για να δούμε. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. 30 δευτερόλεπτα, 62-58 προς τα Γαλλία. Παπαδόπουλος γύρισε, πάρτον, αυτό είναι, 60-62, έγινε αυτό που υποψιαζόμασταν, η μπάλα πέρασε στο Λάζο, 60-62. Κεφάλα μέσα στον Μπάρκερ. Κεφάλου στον Μπάρκερ, μένουν 26,2, σε αυτή τη ρώσικη σκακέρα, την ρώσικη ρουλέτα πια. Έχουμε ολόκληρη επίθεση και κάτι παραπάνω. Το φάουλ του Διαμαντίδη εδώ, τέταρτο. Λοιπόν, ο Μπάρκερ πάει στις βολές έχοντας 2 στις 5 σήμερα. Δηλαδή κάτω και από το μέσο όρο του στο τουρνουά. Έχει μία στις δύο περίπου στο τουρνουά. 26 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Πάρκερ απέναντι στο καλάθι για δύο ελεύθερες βολές. Η εθνική ομάδα έχει μειώσει 62-60. Είναι τυχερός εδώ. Έχανε 53-58, έχανε 53-60. Ένα λεπτό πριν από το τέλος και μέσα σε 20, σε 35 δευτερόλεπτα έχει ψαλιδίσει τη διαφορά στους δύο. Την ψαλίδισε και τώρα στους τρεις. Πάρκερ. Το rebound λοιπόν. Βάζει και τις δύο. 60-64. 22 δευτερόλεπτα ακόμα. Παπαλουκάς. Τραποστάρι. Θα γυρίσει. Είναι καλάθι. Ναι. 18 δευτερόλεπτα. Παπαλουκάς. Ο ήρωας τελευταίας στιγμής. 62-64. Τώρα θέλει πάλι φάουλ. Τι έγινε. Φάουλ πάνω στο ρηγκωτό. Ποιος. Αν είναι ο Παπαλουκάς είναι πέμπτο. Δυστυχώς είναι στο ρηγκωτό, αλλά ακόμη υπάρχουν υπάρχει χρόνος και ελπίδα. Είναι 14,3 δευτερόλεπτα. Ο Ρικοντό έχει 2 στις 2 σήμερα. Φεύγει ο Παπαδόπουλος. Φέρνει ο Φώτσης. Παιχνίδια τακτικής τώρα και από τις δύο πλευρές. Επιστρέφει ο Φώτσης. Έχει κάνει καταπληκτικές κινήσεις κακέρας στο τερίνο για να έχει τα τελευταία 2 λεπτά. Το μόνο που αμένει ήταν να μπει και να σουτάρει αυτό στην μπάλα. Από τα 6-5, αλλά αυτό δεν γίνεται. Ρικοντό έξω! Έξω! 62-64 παραμένει και έχουμε 14,3 δευτερόλεπτα. Να μην πει ο πόντος στην ελληνική ομάδα να πάει τουλάχιστον για την παράταση. Το μη χείρον βέλτιστον, το μίνιμουμ. Γιατί αλλιώς οι Γάλλοι θα κάνουν φάουλ. Βάζει και πολύ ωραίο εδώ. Μία στις δύο, οπότε τώρα άνετα θα κάνουν φάουλ αυτοί. Το κάνανε μέσα. Χαίρο πολύ. Αλλά το κάνουν πολύ γρήγορα. Γιατί το κάνουν τώρα στο γρήγορα το φάουλ. Λάθος. Έτσι πιστεύω. Αυτό που λέει ο προπονητής. Καλά, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος τώρα. Να δούμε. Από τις βολές θα έλεγα εδώ προκειμένου. Παπαλουκά στη γραμμή, 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Μέσα η μπάλα. 63-65 με τον Παπαλουκά να γυρίζει το μάτς. Τι χιτσκοκικό φινάλε ήταν αυτό. Ξαναμπήκε μέσα και κυνηγάει τα απίθανα ο Παπαλουκάς. Και η ελληνική ομάδα. Και η ελληνική ομάδα μαζί του με αυτόν σημειοφόρο. 2 στις 2 ο Θοδωρής. 13-7 για το φινάλε. 64-65. Φάουλ. Όχι εσκεμμένο όμως Θοδωρή. Δεν ήταν εσκεμμένο. Όχι, βλέπω. Αντιαθλητικό εννοούμε. Θα περάσαν 2 περίπου δεύτερα. Ούτε 2. Σκάρτα 2. Στα 13 σούταρε ο Παπαλουκάς. 1,9. Ναι. Και στα 11,6 σημαδεύει ο Παπαλουκάς το ρηγκωτό. Αποβάλλεται ο Παπαλουκάς.
Πάντως, ό,τι και να γίνει, αυτά τα παιδιά δώσαν και την ψυχή τους σήμερα. 64-65. Δύο πολύ θα το ρικοντώ. Παπαλουκάς φεύγει με 10 πόντους και με μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έξω! Χαμένη πρώτη βολή από τον Αντουάν Ρικοντώ. Υπάρχει άγχος, υπάρχει πίεση τώρα και από την άλλη πλευρά. Δεν είναι μικρό πράγμα να παίξει 12 δευτερόλεπτα το τελικό. Ρικοντώ βάζει τη δεύτερη. 64-66. Ζήσεις. 7-6. Ποιος. Βάλ το αγόρι μου. Πάμπαλε. Πάμπαλε. Βάλ το αγόρι. 3 δευτερόλεπτα. Πάμπαλε. 3-2 κανένα. Γιωβάισα. Ναι. Όπως τότε. Τέλος. Ναι. Τέλος. Νέος Διαμαντίδης. Δεν γίνονται αυτά. Δεν το πιστεύω. Κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο τελικό. Η εθνική ομάδα είναι στο τελικό. Απίστευτο φιρ. Η εθνική ομάδα έμεινε ζωντανή και τελειώνει. Ένα μάτς που φαινόταν χαμένο. Αυτό είναι ένα έπος. Όχι, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Που μόνο. Il finira donc sa carrière avec seulement 44 sélections. C'est très peu au vu du talent du joueur. La faute à trop de problèmes physiques et à des mésententes avec le sélectionneur. De retour à NBA la saison suivante avec les Warriors, il continue de tourner à 9,5 points dans un rôle de 6e homme ou de starter occasionnel. Cette saison verra encore les Warriors échouer à la course play-off, finissant 13e dans les bas-fonds de la ligue. Arrive la saison 2006-2007. Cette saison sera la meilleure statistiquement pour Mike en carrière. Tournant à 11 points, 4 bons et une passe d'ouvrière. Avec l'arrivée de Don Nelson au coaching, tout change. Il se voit starter 38 fois sur les 72 matchs auxquels il participe. Même si l'arrivée en provenance des Pacers de Alar Hinton et de Stephen Jackson en janvier fait baisser son temps de jeu, elle donne une vraie chance à l'équipe de Vidéo Meilleur, qu'elle n'a pas vu, rappelons-le, depuis 1994. A standing O for a blocked shot. Well, he brought this one down. Cette équipe des Warriors menée par Baron Davis finira cette saison en trompe avec 10 victoires d'affilée et se qualifiera ric-rac pour les playoffs avec un bilan de 42 victoires et 40 défaites. Better than 20,000 going wild in their We Believe shirts as Golden State tries to do what's never been done in NBA history. A number 8 beats a number 1 in the best. Ils affrontent au premier tour la meilleure équipe de la saison régulière, les Dallas Mavericks, et le MVP de la saison, l'Allemand Dirk Nowitzki. Les Warriors vont remporter cette série mythique 4 victoires à 2. Cette équipe de We Believe est seulement la troisième équipe classée 8e à réussir à passer le premier tour de play-off. Un exploit retentissant. Les Warriors n'arriveront pas à enchaîner après cet upset incroyable et se feront sortir sèchement 4-1 par le Jazz,
de Deron Williams, Carlos Boozer, Mehmet Okur et Kirilenko. Seule autre consolation, ce poster mythique du baron sur le russe AK-47. And then get in the basketball because a lot of good things will happen, not just with him scoring, but then also it'll open up. Oh, man! Hello. La saison suivante, Don Nelson fera peu jouer Michael Pietrus. L'équipe finira 9e à la lutte avec les Mavs et les Nuggets et n'attendront pas les playoffs. Il finira la saison avec 7 points et 4 rebonds de moyenne. Ce sera la dernière sous le maillot des Warriors. Does he remind you of anybody else, LeBron, or is he in a special category? No, he reminds me of... No, LeBron reminds me a lot of me when I was a rookie. À l'été 2008, Mike se retrouve agent libre. Il décide de s'engager avec Orlando pour 6 millions la saison. À l'époque, troisième équipe de l'Est, le Magic dispose d'une bonne équipe. L'équipe construite autour du jeune mais déjà très dominant Dwight Howard. Sa saison 2008-2009 est marquée par plusieurs blessures, ce qui lui coûte finalement une place de titulaire. Malgré son statut de remplaçant, il trouve du temps de jeu et effectue une bonne saison à 8 points de moyenne par match. Sa contribution est remarquée lors des playoffs, pour son adresse à 3 points et sa défense face à Ray Allen et Paul Pierce au deuxième tour des playoffs, et face à LeBron James en finale de conférence. It might not affect tonight's game. These things start accumulating. Remember, you're the seventh. You are disqualified for a game or suspended for a game. So here's the play from behind. You see the play afterwards. This is where, again, you've got to just be able to walk away from it. I know it's an emotional situation, Marv, but he already has one. And it's not so much this game is ending. In the second halves of the three games now, LeBron James has 64 points. The rest of his team has 67. Here's James to the rim, blocked from behind by Pietrus.
What a performance by Michael Petras at both ends. And he will go to the line. You know, Gortat had to give him 24 minutes tonight. Petras 27. And again, if you look, Marv, at the Cleveland bench tonight, only 8 points. 2 field goals for Wallace. Cette année-là, Orlando accédera à la finale NBA. Face aux Lakers d'un Kobe Bryant en quête d'une quatrième balle. Finale qui verra les Lakers s'imposer 4-1 en route pour un back-to-back historique. Une bonne défense de Pietrus sur le Mamba lors de cette finale. Et l'effectif de Los Angeles était beaucoup trop fort pour les Lakers. À l'époque, Michael Petrus est le troisième Français à jouer des finales NBA, après Tony Parker et Ronnie Turiaf. La suite va se compliquer un peu pour Mike. La saison d'après, une semaine après avoir inscrit 24 points à 8 sur 11 à 3 points, il est échangé le 18 décembre au Suns, dans un échange à 3 avec Gortat et Vince Carter. Il jouera seulement 38 matchs pour les Suns de Phoenix, miné par les blessures qui le couperont finalement en décembre 2011. Il aura tourné à 7,4 points de moyenne sur son court passage. Oh, Petrus coming up high. Garnett taking exception. Garnett scares me when he does those faces. After Kings, really? Il va directement retrouver un contrat avec les Raptors fin 2011. Mais une anomalie est décelée lors de sa visite médicale. Le lendemain, il annonce sa signature avec les Celtics de Boston. Reception from the Boston crowd, Michael Petrus. Petrus to the corner, Petrus is going to take it. Il y jouera 42 matchs des 66 de cette saison de lockout, dont 6 en tant que titulaire et participe aux 20 matchs des Celtics en playoff. Il atteindra avec Boston les finales de conférence Est, qu'ils perdront face aux Heat de LeBron en 7 matchs, qui ira remporter son premier titre face aux jeunes Thunder de l'Oklahoma. A big smile. Certainly has to be emotional for LeBron James. It means everything. You know, I made a difficult decision to leave Cleveland, but I understood what my future was about. Agent libre à la fin de la saison 2012, il signe en novembre 2012 dans une équipe de Toronto qui a mal entamé la saison, avec 3 victoires et 13 défaites. Il ne jouera que 19 matchs sur cet exercice. En 2013, de nouveau agent libre, il est testé par les Spurs de San Antonio, qui ne devront pas suivre. C'est ici que s'arrête la carrière NBA de Michael Petrus. Il aura joué 557 matchs dans la Grande Ligue, mis 4629 points en carrière à 8 points par match et une moyenne de 35% à 3 points en carrière. En 2015, il signe au Mets de Guanyabo avec Joan Petrus, un club portoricain.
Deux mois plus tard, le 11 mai, blessé à l'aine, il est remercié par le club de Porto Rico. Le 25 novembre 2015, le Sluc Nancy annonce son arrivée. Il y finira sa carrière. Ah, Mickaël Pietrus. Quel joueur. Étoile filante du basket français, sous un dit respecté en guillet, précurseur du basket français à venir défier les légendes de la Grande Ligue, il se sera mis dans le short de certains des plus grands joueurs de l'histoire. LeBron, Kobe, Pierce, Wade, Dirk, McGrady, Nash. Et si aujourd'hui l'on voit en NBA des Fournier, Gobert, Timothée Luwawu-Cabarro, Frank Ntilikina, Toupane, c'est aussi parce qu'un jour, Air France a pris son envol. Asked his team to do tonight. Well, I like the fact, look, we're seeing the game plans offensively beating the two of the best San Antonio trap. Michael Petras throws it down. Woo! I gotta give him a woo-woo on that one. Come on. That, what a big stride for that last step. Impressive play for Petras. Respect that outside shot by Rondo. That's when he can use his quickness. And that's been the big knock on him, his jump shot. Noah got it inside for Boozer. LeBron James has 64 points. The rest of his team has 67. Here's James to the rim. Blocked from behind by Petras. What a performance by Michael Petras at both ends. And he will go to the line. You know, Gortat had to give him 24 minutes tonight. Petras 27. And again, if you look, Marv, at the Cleveland bench tonight, only 8 points. 2 field goals for Wallace, 2 for Smith. Est-ce que Garnett est venu te voir pour te féliciter? Est-ce que... c'est lui le premier. Qu'est-ce qu'il t'a dit?
Non, on a des trucs qu'on fait dans les vestiaires, on a la façon de se serrer la main, qu'on se respecte. Il me ressemble beaucoup, je ressemble beaucoup. Et c'est pour ça qu'il a voulu mon vestiaire juste à côté de son vestiaire. C'est pas pour rien. Donc à la fin, ça paye. Et faut juste continuer à travailler et ça ira. Là, je pense qu'il faut relever le challenge contre les deux meilleurs scoreurs, NBA, Dwayne Wade et LeBron. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Il faut vraiment relever le challenge et essayer de les faire déjouer. C'est ça le but. Comment on fait justement? Tout est là, la défense ne s'en prend pas, tout est là, on a envie de gagner ici. J'ai appris il y a vraiment longtemps, quand j'ai perdu ma mère quand j'avais 10-11 ans, donc j'avais plus rien. Et donc j'ai appris à toujours rester positif parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Et que moi j'essaie de transmettre ça à mes enfants. Je voyais un père toujours souriant sur le terrain, même si la situation n'a pas été facile. Mais il est toujours souriant et c'est mon caractère. Je reste toujours positif et je garde toujours le sourire. J'avais 10 ans, je regardais à la télévision, c'était mon idole. Et puis bon, j'ai beaucoup travaillé pour être à son niveau et pour être un jour comme lui. Mon rêve, c'était de devenir basketteur, de devenir Michael Jordan. Et aujourd'hui, c'est pas fait, mais il reste toujours mon idole. Michael Petrus est le meilleur. Est le meilleur. Joueur. Avec moi. Avec moi. Après moi. Après moi. OK. Et on l'appelle? Et on l'appelle? Snake. Snakes. Snake all day. Snakes all day. Snakes. Excellent basketball. Yeah, Johnson played well the other night against Dallas. Had 8 points, 5 rebounds in 16 minutes. Petrus swats. Surprise, motherfucker.